Bonjour président. Bonjour, alors ça va mieux là? Ouais, ça va mieux. Désolé, on déroge un peu aux règles de confinement en Ah vigueur en ce moment. On se retrouve à deux, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour la bonne cause. ouais. Vous avez passé combien de temps vous en mode survie là, Kevin? Une douzaine d'heures. Ah la vache. Une douzaine. J'ai pris dans une vague, et dans la vague, le bateau habituellement ressort, et là, au lieu de ressortir, le bateau s'est replié à 90, et c'est comme si on ouvrait les vannes d'un barrage, quoi. L'eau est rentrée dans le bateau et s'est montée très très vite, donc j'ai eu très peu de temps pour réagir. Donc dans ma tête, j'étais parti pour rester plus longtemps, et psychologiquement, ça m'a aidé à tenir, quoi. La vache, 12 heures quand même. Et j'ai tenu, voilà, en me disant, je savais que les conditions météo allaient s'améliorer, donc je me suis dit, ça va s'améliorer, donc il n'y a pas de raison que ça. Que ça ne le fasse pas. Mais l'histoire se termine bien parce que les 12 heures passées dans le radeau, je peux vous assurer qu'on a un peu le temps de gamberger quand même. Ouais, je veux bien le En tout cas, croire. ça nous a fait plaisir que vous nous appeliez. Alors j'imagine que vous avez d'autres sujets de Ouais, préoccupation. mais franchement, ça m'a tellement. D'abord, j'en étais rassuré pour vous, et puis voilà, je suis un grand admirateur de Jean, donc je voulais lui dire que. Chapeau une fois Ça fait plaisir. encore. Hein. On est hyper fiers, hyper heureux pour Kevin et vous, et pour toute sa famille, et hyper fiers de ce que vous avez fait. Ok, bon bah super, merci de nous avoir passé un petit moment ensemble. Ah, ça m'a fait super plaisir. Et je peux vous dire que ça me fait du bien aussi. Et donc, Monsieur le Président, yes, we come. Je le sais. Et allez jusqu'au bout, Jean. Et merde pour la suite. Ok, merci. Salut à tous les deux. Bonne mer et merci, hein.